sommes dans la forêt de Bellevue, où nous avons organisé, dans le cadre d'un partenariat avec l'ONF, une opération qui s'est échelonnée sur 2 années, qui a consisté à, dans une première phase, recueillir des glands dans la forêt avec l'école d'Arton, les jeunes enfants d'Arton. Dans une deuxième phase, les ensemencer chez un pépiniériste afin de déployer leur croissance. Et aujourd'hui, nous en sommes à la troisième étape qui consiste à les mettre en terre. C'est la plantation, c'est formidable. Ces plantes vont venir garnir la forêt. Il s'agit de chêne Cécile. Il a fallu un peu aider à mettre la pioche, à préparer le trou. Il est un peu profond, non? Non, c'est bien. J'avais bien compris qu'il fallait mettre le plan, comme on explique au départ, hein, avec les racines bien en profondeur. Et voilà, donc après, ils ont bien compris aussi qu'il fallait tasser le sol. C'est vrai que la météo n'est pas favorable. Mais je pense qu'on arrive à bout de temps, et cet après-midi, on continue. Hein. On fait un trou avec une pioche, après on met la tige du chêne et après on rebouche et on tasse avec les pieds. Le partenariat avec la société Balzan est tout à fait pertinent et intéressant. Il permet de travailler localement. Balzan est situé sur la commune d'Arton. On travaille ici sur la forêt qui est toute proche d'Arton avec une école du territoire. Donc il y a un projet qui a du sens sur le territoire de cette commune. C'est important parce qu'on voit quand même l'aboutissement de cette opération. On est passé du gland au chêne. Et là, c'est formidable parce que quand les enfants vont revenir dans 20 ans, ils verront des arbres comme ceux qu'on voit ici. Et donc, ils sont quand même à l'origine de cette plantation. Et pour eux, les chênes vont grandir en même temps qu'eux. C'est passionnant, c'est riche. Moi, j'ai des origines paysannes. Donc, planter la chose, planter l'arbre, favoriser le développement de la végétation, c'est noble. Le symbole est riche de messages et je voyais que les enfants se régalent et comprennent ce qui se passe à cet instant tout à fait merveilleux qui consiste, au-delà d'avoir participé au recueil de la graine, de faire en sorte qu'elle se soit transformée en un élément végétal qui va croître. Il y a cette association à ce geste qui est tout à fait forte. On vit grâce à la forêt. C'est un bien commun, c'est un bien universel. Eux les verront grands, ils les ont plantés, ils les verront évoluer. Nous, peut-être, on va se contenter des grands actuels. Comment ils vont devenir grands, ces arbres? Ben, ils vont pousser petit à petit. Ouais. Petit, petit, petit. Après, ils vont devenir comme ces arbres-là.